Tiens, tu savais que le film Une affaire de famille a été réalisé par Koreeda Hirokazu? Sérieux? Ouais, c'est le même réalisateur que le film Tel père, tel fils. Tu sais, le film dramatique inspiré d'une histoire vraie. On parle bien du film Tel père, tel fils sorti en 2013. Tu sais, où c'est les deux familles de milieux sociaux différents, où tous leurs repères volent en éclats quand la maternité de leur Oui, ils hôpital. leur apprennent que leurs enfants ont été changés à la naissance. Oui, je parle bien de celui-là. D'ailleurs, ces deux films ont reçu la Palme d'Or. T'imagines le truc de dingue? En même temps, j'aurais tendance à te dire que ces films le méritent amplement. Pour la petite anecdote croustillante, le tournage était ultra rapide. Mais quand je te dis rapide, c'est que c'était vraiment rapide. Il n'a pris que 42 jours pour être tourné. Ah ouais, quand même, c'est plutôt rapide. Et d'ailleurs, tu savais que ils ont reçu le prix du jury présidé par Steven Spielberg lui-même. D'ailleurs, ce dernier a racheté les droits du film pour en faire un remake américain. Dingue. Salut mec, désolé pour le retard. Hein. Non, t'inquiète, c'est rien. Ça va? Ouais, toi? Ouais, tranquille. Bon, on commence? Ouais. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier nos deux compatriotes qui ont fait un super boulot en présentant le film. Merci beaucoup. Pour commencer, on a trouvé le film bon, voire même très bon. Il nous transmet moult émotions. Et aujourd'hui, on va vous parler des liens du sang qui sont super importants dans la société japonaise. Dis-nous en plus. En effet, le père est attaché à son fils adoptif, Keita. Mais dans le film, la vraie intrigue sont les liens du sang qu'il partage avec Ryusei Saika, ou l'amour qu'il partage avec son autre fils, Keita Nonomiya. Du coup, comme je disais tout à l'heure, les liens du sang sont super importants dans la société japonaise. Et les anciens y tiennent beaucoup. C'est pour ça, du coup, que le père de la famille Eze, du coup, Nonomiya, Keita, il va lui demander d'échanger. Par contre, son boss, il va lui demander de garder les deux. Il va essayer, mais ça, on vous dit pas. Maintenant, outre les liens du sang, il y a quelque chose de super important dans le film Tel père, tel fils. Si vous l'avez vu, vous devez probablement savoir ce que c'est déjà. Ouais, vous l'avez deviné, c'est la photographie. Dis-nous en plus. La photographie est très importante dans le film, car elle nous montre le point de vue du jeune Keita, pauvre enfant adopté. On a aussi remarqué que les photos marquaient des étapes clés du film. Par exemple, au début, quand les deux familles se rencontrent pour la première fois, et ben ça nous a marqué l'élément déclencheur. Maintenant, quand ils prennent une photo au bord de la rivière, c'est une péripétie parmi tant d'autres. Et aussi, vers la fin, et ça, je crois que c'est la phase la plus importante parce que c'est ce qui marque le dénouement, c'est le moment où le père Nonomiya voit toutes les photos que son fils adoptif a fait de lui et de sa femme, comme tu as dit tout à l'heure. C'est ce qui va terminer l'intrigue. En tout cas, on a trouvé le film très bon et on vous le recommande. Les jeux d'acteurs sont excellents, mis à part un, la mère de Keita. Je sais pas si tu as trouvé la même chose que moi, mais il n'est pas terrible. Je suis complètement de ton avis et elle n'arrive pas à nous transmettre les émotions attendues, je trouve.